I'm Chris Parrish. Welcome to motorboat.com. Bonjour à tous, deuxième jour sous le soleil floridien à l'occasion du Miami Boat Show. Nous sommes à bord du Ski Nautique E, un bateau de ski nautique 100% électrique en compagnie de Chris Parrish, champion du monde de monoski. Et si vous n'entendez rien, c'est normal, ce bateau ne fait pas de bruit. Ce Correct Craft 100% électrique est basé sur la carène du 196 Ski Nautique. Il est équipé de deux moteurs de 75 kW élaborés par la firme canadienne LTS Marine. Cela revient à une puissance de 200 chevaux en équivalence thermique. Sauf que le couple, à l'hélice, atteint 850 Nm, soit autant qu'un moteur de 400 chevaux. Ce bateau utilise 40 kW de batterie lithium-ion dernière génération, autrement dit ce qui se fait de mieux aujourd'hui si on en croit le motoriste. L'autonomie est suffisante pour 25 à 30 passages de slalom en monoski à 55 km/h. Après quoi, il faut 4 heures environ pour recharger les batteries. Le Correct Craft Ski Nautique E tient davantage du prototype, de la vitrine technologique, que d'une démarche commerciale. Mais qui sait, peut-être skierons-nous tous bientôt à l'électrique. Hi Chris, so your first impression after Alors Chris, vos premières impressions après ce tour de ski? Bah écoutez, j'ai réalisé en skiant derrière ce bateau électrique qu'auparavant j'étais distrait par le bruit du moteur et maintenant c'est vraiment plus du tout le cas. Je peux me concentrer davantage et j'ai le sentiment d'être vraiment plus en harmonie avec l'eau. C'est une sensation qui est très cool, vraiment.